Oh, Valentin, c'est toi. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. Tu as mal au ventre, mais hier, tu es venu à l'infirmerie de l'école pour la même raison. Ça t'arrive souvent d'avoir mal au ventre comme ça? Souvent, mais ça fait pas genre ultra mal, c'est juste que c'est chiant, quoi. Ok, je comprends. Et il y a quelques jours, t'étais venu aussi pour un mal de tête. Est-ce que tu as aujourd'hui encore mal à la tête ou c'est passé? Des fois, ça m'arrive encore d'avoir un mal à la tête, mais je pense que ça vient du côté de ma mère. Elle a souvent des migraines, ça doit être héréditaire. Effectivement, la migraine, c'est bien héréditaire. Est-ce que je peux rester un petit peu allongée? Ça m'aiderait pour mon mal de ventre. Oui, bien sûr, je vais te préparer un petit médicament qui va t'aider à soulager ton mal de ventre. Tu vas voir, ça va passer très rapidement. Et je pense avant la fin de l'après-midi, tu pourras assister au dernier cours de la journée. Ça te va? Ouais, ok, d'accord. Bon, je reviens. Salut Meredith, est-ce que je peux te déranger un instant? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de corriger les copies de français. Qu'est-ce que c'est hilarant? Tu devrais jeter un coup d'œil. Oui, pourquoi pas? Bah, au pire, envoie-moi une petite photo, comme ça, quand je prendrai le bus en rentrant chez moi tout à l'heure, je pourrai lire. C'est vrai que t'as quand même des élèves un peu spéciales. Mais en parlant d'élèves un peu spéciales, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je suis venue te voir. Ah bon? Lequel a fait encore des bêtises? Hein, dis-moi. Ils ont encore voulu s'amuser aux infirmiers? Oh non non, rien de tout ça, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est juste, tu vois, le nouvel élève là de l'école, Valentin, il me semble que tu en es la professeure principale, n'est-ce pas, ou je me trompe? C'est exact, Valentin, il est arrivé à peu près il y a un mois et ça se passe très bien. Il est très 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 impliqué, il donne toujours ses devoirs à l'heure. C'est un bon garçon. D'accord, mais tu n'as pas remarqué qu'il venait souvent à l'infirmerie? Il n'y va pas souvent lorsque il est là à mes cours, mais c'est vrai qu'une autre collègue est venue me voir et m'a dit qu'effectivement il avait manqué pas mal de ses cours. Je ne me suis pas encore posé des questions là-dessus. Je me suis dit comme il est nouveau, il a peut-être, je sais pas, un trac ou quelque chose qui fait que le sentir mal et qu'il l'envoie à l'infirmerie. Pourquoi? C'est grave? Non, mais justement, je me dis qu'en fait, si il vient me voir pour des petites broutilles à chaque fois, c'est peut-être qu'il y a un mal plus profond et qu'il va falloir qu'on creuse un petit peu pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Pour être tout à fait honnête avec toi, ce garçon n'a pas la vie facile. Il vit en fait chez sa grand-mère et sa mère, elle est décédée. Alors je ne sais pas pour quelle cause. Hein, je n'ai pas cherché à creuser de ce côté-là et je sais que son père est souvent en déplacement. Puisqu'à chaque fois que je dois les contacter, c'est la grand-mère que j'ai au téléphone. Plus de cela, effectivement, il ne s'intègre pas plus que ça auprès de ses camarades de classe, mais je n'ai remarqué rien d'anodin. Après tout, il est venu en milieu d'année scolaire. Wow, une sacrée vie pour un si jeune homme. C'est vraiment dommage. Et tu penses que je pourrais parler à son père? Tu peux toujours essayer, mais je doute fort que tu réussisses à l'avoir au téléphone. C'est un homme d'affaires qui a vraiment beaucoup de choses à régler dans d'autres pays et donc qui n'est pas, je pense, même pas à notre fuseau horaire. Bon, est-ce qu'au moins tu me donnes la permission d'essayer de creuser pour voir si j'arrive à trouver quelque chose derrière tout ça? Parce que bon, peut-être que je me trompe aussi et que tu as raison, c'est peut-être juste le trac. Mais je me demande si tu vois maintenant comment que c'est dans les lycées. Les élèves, ils parlent plus beaucoup aux adultes comme nous et donc ben souvent on les délaisse et ça se fait, il se passe quelque chose et j'ai vraiment envie de savoir quoi. À partir du moment que tu le fais pour son bien, je ne vois aucun problème à cela. Merci beaucoup, Meredith. Je t'embête pas plus. Je te dis ciao. Je suis de retour, Valentin. Est-ce que je peux te parler 2 minutes? Oui, je vous écoute. Avant de te ramener des médicaments, je voudrais savoir si vraiment c'est nécessaire. Est-ce que tu as vraiment un mal de tête? Oui. Je suis peu fière d'en arriver là, mais en fait, je viens de te piéger. Je viens de te demander si tu avais mal à la tête alors qu'aujourd'hui tu avais mal au ventre. Ce qui me fait penser à croire que, en fait, tu ne te sens pas
mal physiquement, mais il y a autre chose derrière tout ça et j'aimerais qu'on en discute. Oh, désolé. Valentin, mais où est-ce que tu vas ? Attends, je n'ai pas fini. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux pas partir là maintenant comme ça et ne pas me donner d'explications, ou au moins si tu veux pas me les donner aujourd'hui, je sais pas moi, arrangeons-nous un petit rendez-vous par exemple demain et pour en discuter. Merci beaucoup de vous être occupé de moi, c'est juste que j'ai plus mal là d'un coup et j'avais oublié que c'était le mal de ventre, c'est tout, voilà tout. Je suis désolée, je vous ai fait perdre votre temps. Non, absolument pas, tu ne m'as pas fait perdre mon temps. Mais s'il te plaît, arrête de me mentir et dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des gens de ta classe ou de l'école, même en dehors de ta classe, qui t'embêtent, qui t'harcèlent parce que tu es nouveau ? Ou peut-être parce que c'est à cause de ta situation au niveau familial ou autre chose ? C'est quoi le problème ? Dis-moi. Non, pas du tout. Personne ne m'embête. Dans l'école, vraiment, toutes les personnes qui sont ici, à qui je parle, sont sympathiques. Mais comme je suis partie en milieu d'année, j'ai perdu tous mes amis, et je pense que c'est ça qui me rend un petit peu malade. Comment vous dire, j'avais surtout un meilleur ami dans mon ancienne école, dans mon ancienne ville, et on se parle plus trop parce que la distance a fait que, et je n'arrive pas à m'attacher à d'autres personnes. Tu es sûr que c'est ça ? Tu me promets que c'est pas des élèves de l'école qui t'embêtent, ou qui que ce soit d'ailleurs, même en dehors ? Non, pas du tout, je suis désolée que vous ayez pensé ça, c'était absolument pas le but, comme je vous l'ai dit, je me sentais juste un peu mal, mais je pense que ça va passer dans quelques jours, je sais pas, je devrais me sentir mieux, c'est juste le temps de m'adapter. D'accord, je te laisse partir, mais tu me promets que si à un moment donné tu te sens mal, parce que quelqu'un t'embête, tu reviens me voir. Et si tu viens me voir parce que tu te sens mal, même tout court, tu peux, il n'y a pas de problème. Mais juste, ne me dis pas que c'est un mal de ventre ou un mal de tête si ce n'est pas réellement le cas. J'ai pas envie de te donner de médicaments pour ça alors que c'est pas vraiment ça le fond du problème. D'accord, Valentin ? Ok, mais je voulais juste vous prévenir, de base, je suis pas non plus quelqu'un qui est beaucoup avec d'autres personnes, parce que, comme on peut dire, enfin, je sais pas si vous connaissez le terme, mais je suis un geek, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, ce genre de choses, et c'est vrai que là, à cet âge-là, les garçons préfèrent les filles préfèrent les garçons, et c'est pas vraiment leur passion, donc si vous me voyez pas avec d'autres personnes, ne vous inquiétez pas, c'est normal, C'est juste que voilà, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Bon, je vous laisse, je vous ai déjà pris assez de votre temps. Au revoir. Il a dit quoi ? Un geek ? Geek ? Je sais pas ce que c'est. Mais j'ai compris une chose. Il aime bien les jeux vidéo. Bon, moi, à l'époque aussi, j'aimais bien les jeux vidéo. Je jouais à Mario Kart à mon époque. Ça m'embête quand même, parce que je n'ai pas réellement trouvé de solution. Et je sens qu'il a quand même un petit mal-être au fond et qu'il lui manque un petit quelque chose. Faut falloir que je trouve une solution. Je vais creuser là-dessus. En attendant, je vais aller quand même voir mes autres patients. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Oh ! Ah oui, la fameuse Estelle. Estelle qui a toujours ses règles pendant les cours de sport. Un peu bizarre, elle. Elle a ses règles au moins une fois par semaine. Il va falloir que je trouve des explications aussi à ce phénomène. Oh, madame l'infirmière, que puis-je faire pour vous ? Bonjour monsieur le directeur, j'espère que vous allez bien, et puis dans le pire des cas, si vous n'allez pas bien, vous inquiétez pas, je suis là. Vraiment, vous les infirmières, vous avez de ces blagues qui donnent froid dans le dos. Je vous écoute, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes venu me voir parce que vous avez, je sais pas, il vous manque des médicaments, tiens, c'est cela ? Non, absolument pas de ce côté-là, on est bon au niveau des stocks, je viens vous voir pour un tout autre sujet. Vous m'avez toujours dit que si j'avais besoin de quelque chose, je pouvais venir vous voir. Ce jour est arrivé. Vous savez, je dis ça à tout le monde, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut venir me voir. Non, mais vous inquiétez pas, je vais pas vous demander un truc de fou, je vais pas vous demander de m'acheter une nouvelle machine médicale dernier cri qui vaut des milliers d'euros. Je viens vous voir parce qu'en fait, je sais que à l'école, il y a plusieurs clubs, un club de lecture, les clubs de sport, etc., etc. Et en fait, j'aimerais savoir s'il est possible d'ouvrir un nouveau club pour des élèves dans cette école.
un nouveau club, vous dites, mais je comprends pas pourquoi vous voulez proposer un nouveau club. Enfin, c'est bien, hein, c'est, vous avez des idées, vous avez l'imagination, mais je comprends pas, vous êtes infirmière, vous n'êtes pas professeur. En quoi un club pourquoi en fait? En réalité, ce serait surtout pour aider un élève à s'intégrer. Et je pense que c'est un club qui, aujourd'hui, en 2023, serait ultra intéressant. Il s'agirait d'un club de jeux vidéo. Un club de jeux vidéo, et puis quoi encore? Vous voulez qu'ils viennent jouer à Fortnite à l'école? Non, pas du tout. Il y a plein de jeux super éducatifs, des jeux de stratégie, des jeux où faut que les élèves jouent ensemble, etc. Il y a pas mal d'autres jeux que Fortnite. D'ailleurs, je crois que c'est le seul jeu que je connaisse. Bon, après, moi, je joue pas trop aux jeux vidéo. Mais je pense que ça peut être une bonne idée parce que ça pourrait faire... vous voyez ce que je veux dire? Faire connaître les élèves entre eux. Et puis, un élève épanoui, c'est un élève qui a des bonnes notes, finalement, non? Non, pas forcément, mais revenons au sujet principal, le club de jeux vidéo. Cela nous contraindrait à acheter des nouveaux ordinateurs, et ça, vous savez, l'école ne peut pas se le permettre. Ça tombe bien, on n'a pas besoin de nouveaux ordinateurs. La plupart des personnes qui jouent aux jeux vidéo ont souvent soit des consoles portables, soit des ordinateurs portables, et puis bon... En tous les cas, je pense qu'on peut trouver des solutions en interne avec les élèves, se partager un ordinateur pour deux, ce genre de choses. Je suis sûre qu'on peut trouver des solutions. S'il vous plaît, laissez-moi gérer ça. Tout ce que je vous demande, c'est d'ouvrir ce club officiellement, de nous donner une journée dans la semaine avec une pièce qu'on pourrait exploiter pour faire interagir tous ces élèves ensemble. En vrai, en réalité, vous me demandez pas grand-chose. Finalement, une petite pièce de classe, pourquoi pas, je vous l'offre, c'est donné. C'est super, j'ai trop hâte. Je vais voir ça avec, avec le professeur de technologie pour qu'il puisse gérer tout ça. Et je vous remercie. Passez une bonne journée. Oh là là, mais c'est qui a recruté celle-là? Ah, ben c'est moi. Mais pourquoi j'ai fait ça déjà? Du boulot, toujours du boulot. Ça n'en finit plus, toujours les papiers. Ah, vérification des stocks. Difficile de gérer l'infirmerie d'un aussi grand établissement scolaire. Bonjour madame l'infirmière. Bonjour. Attends, tu me dis quelque chose, mais je suis désolée, je vois tellement de visages. En quoi puis-je t'aider? Tu m'as pas l'air d'être malade. Non, non, je vais très bien, mais je voulais venir vous voir pour en fait juste vous remercier. Oh, bah y'a pas de problème, hein, tu sais, c'est mon métier de soigner les gens, donc y'a pas de soucis. C'est un grand plaisir pour moi. Non, je pense que vous n'avez pas saisi, vous avez fait plus que juste me soigner, on va dire. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais vous avez ouvert le club du jeu vidéo dans l'école de Brookhaven. Oh, mais c'est toi Valentin! Maintenant c'est bon, je m'en souviens, je suis désolée, je vois tellement de visages passer tous les jours. Mais alors, comment ça se passe? Tu m'as l'air épanoui, dis donc. Grâce à vous, je me suis fait une bande de potes, et on passe souvent du temps ensemble, on joue ensemble le soir. Et puis, j'ai rencontré aussi ma copine, Sandy, et grâce à vous, ma vie, elle est beaucoup plus belle. Avant, je me sentais triste, je pense que je devais même être déprimée. Et aujourd'hui, tout va mieux. Donc, merci beaucoup à vous. Ah oui, c'est vrai, le club du jeu vidéo. Pour une fois qu'un de mes projets fonctionne, eh ben, avec plaisir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, en fait. Passez une bonne journée et au revoir. C'est trop cool, c'est rare que des élèves viennent me remercier déjà, rien que tout court, mais alors là... Et puis c'est vrai que ça faisait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines que je n'avais pas vu ce jeune garçon. Donc ça veut dire que ça a bien fonctionné et puis bon, des fois il ne suffit pas de soigner des blessures physiques. Des fois il faut soigner les blessures du cœur. Thank you.